qui est Yakesh? Ouais. Qui est Yakesh? Il marche, il parle. Il marche, il parle. J'allais dire, il a la forme de ce pays. Il a la forme de ce pays. Il ressemble beaucoup à ce pays. À Euskadi Nord. Nous sommes à Itsaso. C'est ici qu'est né le mouvement Abertzale Aniparalde. Le 15 avril 1963, nous avons créé le mouvement Imbata ici. Nous avons, dans la clairière dans laquelle nous allons aller maintenant, planté un rejeton de l'arbre de Guernica en chêne. Il y a maintenant cette masse de pierre qui porte notre charte. Ce jour-là, il y avait autour de ce chêne qu'on plantait, 200-300 personnes venues du nord, du sud. Et il a été planté par celui qui était notre leader, Niparalde, Shimon Aran, et puis la jeune génération des réfugiés de l'autre côté, celle qui reprenait le flambeau après le PNV, c'était la génération qui allait faire état. C'était Yulen Madariaga, donc ils sont plantés à deux, nord et sud, symboliquement, le rejeton du chêne. Le mouvement a été interdit le 1er janvier 1974, par Marcelin, ministre de l'Intérieur. S'il y a quelques-uns qui essaient de créer une mauvaise image de marque aux policiers, dans la réalité, ça n'est pas vrai. Les Français aiment leur police. À plusieurs reprises, les instituts de sondage ont... On a été interdit au nom de... La motivation officielle était atteinte à l'unité de la République. Nous sommes dans ce petit coin de l'Hexagone, hein, en train de prendre conscience collectivement que nous sommes basques. Nous étions 7 pour faire un mouvement. Voilà. Et c'est depuis lors qu'il y a aujourd'hui, dans sa diversité aujourd'hui, l'abertzalisme en Iparralde. Est-ce qu'alors existe un basquisme, une défense de l'identité ou de la langue basque, mais qui est quelque chose vraiment à 10 000 lieues de ce qu'on est aujourd'hui? Itsasoko Gariela, la charte Itsaso. Voilà. Alors, nous, basques, go et Shkoldea, nous sommes. Alors, par la terre, par la langue, par notre peuple, nous sommes une nation. Et qu'est-ce que nous voulons? En tant que nation, nous voulons nous retrouver, la réunification du Pays Basque Nord et Sud, la réunification, et la libre disposition individuelle et collective. Voilà, c'est ça, tout est dit. Donc c'est quelque chose que aujourd'hui tout Abertzale peut reprendre à son compte. Les différentes manières dont il le positionne à cette époque-là, en 60, 61, 63, vont modeler ce qu'on est aujourd'hui. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes une démocratie, nous voulons l'autodétermination, donc les grands principes fondateurs de l'abertzalisme, et nous on est autre chose qu'une petite patrie dans votre grande patrie. C'est-à-dire qu'eux, ils changent de patrie à ce moment-là. C'est un texte qui a une force par lui-même, c'est un peu... voilà. Ça peut être traduit en toutes les langues, pourquoi en français, en d'autres aussi. Parce que ça, ce que nous disons là, c'est un peu universel quand même. C'est les droits d'une nation à exister, à se regrouper, à sa possibilité de s'auto-gouverner et de garantir la liberté de chacun de ses citoyens et la liberté collective de tous. Voilà, ça, à la limite, c'est une déclaration universelle. Non, elle est belle, elle est très belle. On est en pleine fin de la guerre d'Algérie, c'est vraiment la fin de la France avec son empire. La France, l'Angleterre, c'est la moitié du monde jusqu'alors. Nous étions à la fois vers une France qui perdait son empire, qui se repliait sur elle-même, mais qui s'ouvrait sur l'Europe. Donc nous étions à un moment historique où tout était possible. Ils définissent Mbata comme un mouvement laïque. Laïque, c'est dans ces années-là, c'est incroyable. La définition du basque, du bon basque, l'identité basque, c'est Eshkwaldoun Fededoun. Eshkwaldoun, celui qui a la langue basque et celui qui a la foi. On va les accuser de trahir l'identité basque. Ça se dit encore aujourd'hui, Mbata Sekina. Mbata Sekina, c'était Jean Bizarre. C'était qu'est-ce qu'il nous raconte, ça?
pour un Basque du Nord, dire que l'avenir se trouve avec le Pays Basque Sud, c'est un truc de martien. Déjà, dès les écrits de l'époque disent que le Pays Basque Sud a une culture industrielle, ce qu'on n'a pas au Pays Basque Nord, et demain, quand il sera sorti de la chape de plomb du franquisme, vous verrez, ça sera avec lui notre bassin naturel. Enfin, à l'époque, on les traite de martiens. Aujourd'hui, c'est des évidences pour tout le monde. On sentait qu'on avait les mêmes langages et qu'on percevait les choses, en tout cas de notre société, de notre pays, etc., de la même manière. Qui nous aurait dit que les Ikoshtola seraient nés par la suite? Si on est dans notre famille, tout ça, les Ikoshtola. Puis après, même que l'école publique ferait du bilinguisme, tout ça, c'était inimaginable. La première école de langue basque, elle se crée dans l'appartement qui sert de local à Mbata, au 14 rue des Cordeliers. Il y avait pendant la journée une secrétaire et une activité bureaucratique. À la tombée de la nuit, les gens qui venaient en visite en se disant qu'ils allaient faire le chiquiteo dans le quartier. Le soir, il y avait très souvent les réfugiés qui dormaient là, entre autres, dans les rideaux du casino de Biarritz. Il y avait des magnifiques rideaux en velours grenat qui faisaient couverture pour une dizaine de personnes. Il y a aussi l'arrivée des réfugiés d'État et avec lesquels Abébéry et compagnie, Cheminaran, ainsi de suite, étaient liés déjà avant qu'ils passent réfugiés. De l'autre côté, l'État, qui était les premiers, était ici, mais l'État s'est radicalisé, devenu une organisation armée, et forcément, ça a changé la nature des relations en Espagne et même en franco-espagnol. Les Français eux-mêmes étaient marqués par le franquisme, qu'on soit ou de gauche, surtout de gauche, mais même les autres. Le franquisme était quand même une dictature, c'était une des dernières dictatures d'Europe. J'avais une voiture qui amenait toutes les semaines, ou quand il voulait, du matériel militaire au commando d'État qui se trouvait à Pampelune. Ça s'est cassé, disons que le truc s'est cassé, les flics m'ont pris. Ils m'avaient mis 28 mois et en 14 mois j'avais fini ma peine. Et le réquisitoire était pour 12 ans et c'était devant un tribunal militaire. Il n'y avait pas de précédent où les tribunaux militaires franquistes avaient donné moins que le réquisitoire. Franco est mort en 1975. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune discussion possible. Pendant tout le temps où j'étais en prison, les gens d'Mbata, facilement une centaine de militants, avaient été extrêmement actifs, d'abord pour dénoncer mon arrestation. J'étais une innocente, une jeune fille innocente et étudiante que les flics espagnols avaient pris. Ils avaient fait des manifestations extraordinaires. Entre le 10 juillet et le 20 août, depuis La Benne jusqu'à Irún, ils distribuaient sans arrêt des tracts à tous ces gens-là qui rentraient en Espagne, où d'un côté il y avait mon histoire et de l'autre côté il y avait la photo de Franco et Hitler qui se serraient la main dans la gare d'Hendaye. Et ça, c'était les militants qui le faisaient avec les flics, les Français qui venaient les empêcher, tout ça, enfin, avec tout ce que tu pouvais imaginer. Ils m'avaient sorti de prison, sûr. J'étais très lié avec tous les Abébéry, surtout avec son frère Maurice, l'avocat militant des réfugiés, et l'avocat militant d'État. Quelles explications au cas des 7 réfugiés qui ont été expulsés? On a voulu leur mettre sur le dos, en quelque sorte, un attentat à la sous-préfecture de Bayonne. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Il n'y a aucun fait précis, il n'y a aucun nom. Il y a simplement des rapports de police, lesquels nous ne les connaissons pas. La fratrie à Bébéry, je crois que c'est important. Je pense que Diakech est devenu ce qu'il est parce qu'il était dans cette fratrie. C'est un endroit, je pense, où on devait parler beaucoup, parler très bien en français,
malheureusement. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a une frontière. C'est la frontière franco-espagnole. Et je crois, et il faut qu'on nous le dise, qu'il y a ce qu'on appelle des raisons d'État, qu'il y a des relations commerciales avec l'Espagne. Mais la raison d'État en régime démocratique, pour moi, n'existe pas. Ça vaut être des Abertzales, qui étaient, c'était des antifranquistes. Et l'antifranquisme avait couleur, au fond, de résistance contre ce qu'était la dictature du nazisme et du fascisme de la guerre. Je me demande d'où diable il a, sur quelle personne, père ou pas père, hein, ça peut être un oncle, ou un voisin qui était très copain de la famille, qui a une ascendance, très fort sur l'enfant, sur les jeunes. C'est vrai que j'ignore, moi, la racine aussi de le commencement de leur universalisme, parce que leur famille, son père et tout ça n'était pas du tout universaliste. Ce n'était pas un homme comme son père, avec la philosophie qu'il avait, qui pouvait lui donner ça, qui pouvait lui transmettre ça. C'est un mec qui a 9 ans en 1940, quand les Allemands rentrent à Biarritz, il y a son père qui pleure. Son père était un ancien combattant, c'est un croix de feu, c'est-à-dire un parti ultra-français, enfin une ligue ultra-française, etc., son père. Il a dû avoir, on devient Abertzale, c'est de l'ordre de l'intime, hein. Je pense que ces refus qui arrivaient pendant la guerre ont représenté beaucoup de choses. Thank you.
Donc ils ont compris, on a fait deux ou trois élections entre-temps, qui ont été ce qu'on était, mais enfin, qui ont posé l'affaire. Le pouvoir français, dans un premier temps, nous a regardé un peu comme des folkloristes. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est amusant, quoi. Alors, nous avions présenté, il y avait deux circonscriptions au Pays Basque, Christiane et Chalus, qui sortaient de 18 mois de prison à Pamplune. Elle avait 21 ans, 22 ans. Et Shimon Aran sur la côte. Nous avions fait 4,80% d'un côté et de l'autre. Il fallait rembourser la dette. Il leur fallait un candidat. Je savais que personne ne se pressait au portillon hein, pour être candidat. Je ne mesurais pas non plus tout ce que ça supposait pour mon entourage, en particulier mon frère et tout ça. C'était donc, eux, ils voyaient le ridicule de la situation, tu vois, sortir de la prison. Mes parents étaient honteux d'avoir une fille en prison. Ils étaient très heureux et tout ça, mais leur faire ça en plus. Il y avait les adversaires qui étaient en face, qui arrachaient les affiches et tout ça. Donc on montait des coups là pour les surprendre. Aussi, à nous, puis il y avait les flics, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'ambiance. On faisait des peintures aussi. C'est 4 plus 3 égale 1. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire, même si. C'est mon inquiétude. Même si tout cela n'a pas de traduction politique dans l'adversalisme, mais combien de gens ici font leur chemin sur le désir d'être basque, les gens même devenus d'ailleurs. Même si ce n'est pas la libération totale du Pays basque, sa réunification, comment peut-on faire avancer des choses qui nous sont essentielles? Notre reconnaissance politico-juridique par une collectivité reconnue. Comment notre langue doit être enseignée, ce qui commence à l'être de plus en plus, mais être reconnue légalement. Etc, etc. C'est ça qui m'intéresse. Dans cette phase de la lutte pour la libération du Pays Basque, hein, ou bien pour la reconnaissance, ou bien pour les droits civiques, ou tu peux l'appeler comme tu voudras, on est tous convaincus que tous les Aversalais doivent y aller ensemble. Et on ne va pas le faire tout seul. On va le faire avec ceux qui ont envie, et qui ne sont pas forcément Aversalais, qui peuvent très bien imaginer que le Pays Basque a suffisamment de dynamisme par lui-même pour s'administrer dans une collectivité territoriale. Voilà, ça, on peut trouver des gens pour dire ça. Eux aussi qui vont labourer le terrain économique, le terrain culturel, etc. Bon, ils vont comme ça lancer plein de choses à tous les niveaux. Et ça modèle aussi la nature du mouvement dans lequel on est aujourd'hui, qui n'est pas comme un parti politique qui se présente aux élections, qui fait un travail de propagande, de journaux, etc., mais qui est un mouvement qui a construit sa contre-société peu à peu, ses écoles, ses radios, ses coopératives, etc., son syndicalisme agricole, ainsi de suite. Et ça, d'après moi, ça vient de la manière dont il positionne leur vision du mouvement aversalais dès ces époques-là. Quand on a été interdit, on l'a gravé sur cette pierre. Voilà, vous voyez, c'est même plus lisse maintenant, c'est devenu un peu rugueux. Quand on avait planté l'arbre des Guernica, la rejetant, il y en a qui étaient venus pisser dessus. Il avait plus ou moins crevé d'ailleurs. Il n'arrivait pas à mordre parce que les gens venaient assez souvent de sortant de l'auberge, je ne sais pas. Bon, on est assez, c'est clos ici, c'est fermé, mais enfin, tout le monde peut rentrer, bien sûr. Et elle est belle parce que c'est une vraie écorce, quoi, hein, elle est sauvage. Et même tellement sauvage que la nature a pris le dessus. Je vois, il y a du lierre, il y a un début d'arbre, etc.
Alors nous sommes ici, il faut le dire aussi, sur un terrain privé. C'est un terrain qui appartient à l'auberge qui est ici à côté de nous. Et les propriétaires de l'auberge, la famille Salaberry, étaient des amis. Il y a aussi ça qui nous a un peu amenés ici. Après l'interdiction des matins, nous sommes réunis, nous étions une vingtaine, nous avons décidé, voilà, on va se réunir pour la dernière fois ici, la mairie Una de 74, avec un Weshkou, etc. Ah, c'était beau, c'était un bon souvenir. C'est magnifique, ça. Ça, je reconnais que quand on avait fait choisir ce lieu, tout le monde était d'accord. 300 personnes autour, c'était un lieu un peu magique, ça, je reconnais. Oui, vous me faites revivre tout ça. Un moment qui est un peu beau.